le divulgue. Supprimer la vidéo de 3 minutes de nous en train de faire les réglages. C'est bon, il n'y a plus aucune trace de la vie privée. Très bien. De la vie privée de mon pote. Bon, alors du coup, tu m'as dit que c'était George and Dragon, comme le bar. Yes. Tout à fait. Je dois mal l'écrire. Comment tu l'as écrit? The George and Dragon, je crois. Avec des espaces? Ouais. Je ne peux pas t'inviter. Comment tu l'écris? Ah, mais attends, peut-être qu'on n'est pas amis. Ah, quand même, on a mis sur Steam, donc ça devrait... Putain, je vois plein de trucs, mais... Ou je cherche juste Dragon, parce que là, j'ai cherché... Je vois pas le tien. J'en vois plein, mais je vois pas le tien. Je disconnecte, genre on va faire plus simple. Je vais garder le même mot de passe. Ah, ou alors t'as mis quoi en playstyle? Parce que moi, j'ai mis Any, mais Any, c'est peut-être... Peut-être qu'il faut que je choisisse un truc précis. T'as mis... coopérative. Ah, j'avais mis des majuscules à George et Dragon, putain, mais... T'as mis coopérative? Ouais, coopérative, blablabla, blablabla. Bon, ça relance. Bah écoute, je charge juste Dragon et je vois des gens avec Dragon dedans, mais pas George and Dragon. Vas-y, la refais parce que c'est THE George and Dragon. Il y a une majuscule à... au G, une majuscule. Et THE, il y a une majuscule? Je sais plus. Oui, si je mets juste THE, c'est un peu chiant. THE ouais, George... Tu trouves pas là? Bah attends, non. Je vais changer. T'es sûr que t'as pas mis Zizi comme titre? Non. Par contre... Ça va le devenir. Zizi. Non, y'a rien. Non, non. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai relancé la partie. Je l'ai appelé Beat. Pour plus de facilité. Beat, on va se faire ban ouais. Du jeu. Non. Mais je trouve pas Beat. Putain, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on joue sur le même serveur name AZ? Non, attends. Là, je cherche que les coopératives. C'est ce que t'avais mis ou Ouais, ouais. En serveur name Beat. Putain, c'est relou qu'on puisse pas inviter là. Un peu, je t'avoue. Je sais pas, ou alors je. Enfin, attends, je fais back et je retourne dedans. Peut-être que j'ai un truc que j'ai pas compris. J'ai fait browse game, mais searching server. Parce que ça se trouve, il les charge que quand tu te. C'est quoi le tien? Ah, tu crois quand je lance? Attends, lance-le, et une fois que c'est lancé, moi je vais cliquer sur browse game. Vas-y! Et c'est, le nom c'est Beat. Beat, sans majuscule, sans rien. Ah oui, je le vois, bah c'est ça en fait. Il faut, faut cliquer sur Bros Game après qu'il soit lancé. D'accord, donc en fait il y a un lobby qui sert à rien. Après il y a un truc refresh en bas, ça se trouve il fallait cliquer dessus. Mais... Join. Donc je tente un mot de passe qui a l'air de marcher. Alors où est-ce que ça en est tout ça. Ah Pof has joined the game. The game. C'est beau. Mais t'as join mais où? Bah je te vois. Tu me vois? Ah non, je te vois dans la liste mais il faut que je choisisse un avatar. Ah ok. Je vais prendre... Parce que moi je suis a priori devant le portail là. WX78. Et de toute façon, tous les trucs sont loqués, donc... Ah! Il a 10 bits. Il a 10 bits, c'est que tout va bien. Ah! Oh, cette tronche! Ma tronche? Ouais! J'ai pris le plus dégueulasse, hein. C'est un putain de robot, en fait. On peut pas les tuer, là, ces pigeons? Et du coup, c'est quoi? Il faut cliquer ou tu te déplaces avec le clavier?
Ah putain, si tu déclasses le clavier, ça tourne. C'est... Mais oui, mais attends, c'est le même délire que mon jeu hier. Ah ouais, non, mais non, parce que moi je suis à moitié en QWERTY, à moitié en... Ouais, moi aussi. Attends, je regarde les contrôles. Non, mais il fait comme mon jeu hier. En fait, il s'en branle de tes trucs. Attends, je vais tenter de passer en clavier anglais. Ah, mais non, mais parce que, ok. Non, non, c'est parce qu'en fait, il remplace pas les autres. Rotate left, c'est A. Rotate right, voilà. Là, si je fais ça, c'est bon. En fait, c'est qu'il remplace pas automatiquement. Ah ouais? Attends, ouais, enfin, je me suis compris. Ouais, moi, je crois que je t'ai compris aussi. Ah oui, c'est bon. C'est bon, on est des connards. C'est quoi ce jeu du coup? On est des putains de merde. Alors, je me souviens qu'il faut faire un feu et pas mourir de faim. Voilà. D'accord, et c'est où qu'on voit? Ah ouais, la fin, ça doit être ça. D'accord, ça c'est la vie, ça c'est. Ok. Après, enfin, c'est chelou ce truc là. Yeah. Est-ce que tu vois le texte là? On a le même en même temps? Ouais. Ok. Bon bah. Là, il nous faudra un feu là. Ah, on est en train de mourir. Enfin, moi j'ai eu mal. Ah, d'accord, il y a des trucs qui nous attaquent. Ouais, ouais. Alors, on aurait peut-être dû se renseigner sur le jeu avant de le lancer. Non, c'est beaucoup plus drôle comme ça. bah écoute, on va mourir. Attends, hein. Je suis mort. Comment on fait un feu? Comment on fait un feu? Je sais pas, moi je suis mort. Je me suis défoncé. Ah, je suis mort. Everyone is dead. Ah, ok. Ok. Alors, on va reset. Moi je trouve que c'est une bonne ambiance. Ne quittez pas. Alors. T'es mort ou pas toi? Ouais, bah oui. Ah, c'est bien. Bon, je vais prendre un autre mec. Je vais prendre un truc dégueulasse. Ah bah non, je vais garder mon bûcheron. C'est juste comment on fait du feu, je ne sais pas quoi, c'est ça le truc. Mais t'es où? Ah, t'es là. Bah il faut aller chercher du bois, je crois, tout simplement. Attends, regarde. Non? Non, ça c'est Minecraft. J'ai récupéré des trucs. Attends. Twig, spider eggs, monster meat. Non, c'est pas ça qui va me... J'ai récupéré des... Des graines, moi. Je suis content. Hein. Moi, des saplings. Je sais plus ce que ça veut dire. Des pousses. Alors, il faut qu'on ait de l'herbe et des bûches. Ah bah je prends de l'herbe. Mais les bûches, je sais pas les prendre, moi. Je vois des arbres, mais je sais pas comment les couper. Ah ouais, c'est bon, j'ai de l'herbe. Putain, une carotte. Voilà. C'est le luxe, mon gars. Et comment tu fais pour choper les bûches? Ah bah tu équipes ta hache et tu chopes... Ah! Ah mais on a des outils? Ouais, dans la barre en bas là. Voilà, et après tu bourrines, ok. Et mais moi j'ai pas de hache hein. Si, dans la barre des sorts en bas, la barre d'action là. Non, moi j'ai autre chose, j'ai des spider eggs. En fait je pense que ça dépend du personnage. Ah ouais, parce que moi en même temps je suis un bûcheron. Ouais, donc du coup c'est pas mal. Le bûcheron qui a une hache, tu vois, ça colle. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ça joue. Alors viens, ok. Comment on voit quel jour on en est là? Bah en haut, il y a marqué Day One, on est en plein milieu de la journée. Ouais, je veux dire, ok, d'accord. Il me faudrait, si tu vois, des trucs qui s'appellent des flints, donc en gros, des cailloux, quoi. Et ben, ça me permettrait de fabriquer une hache pour moi. Parce qu'apparemment, dans la barre à gauche, tu peux fabriquer des objets. Et pour faire le feu... Ah bah oui, mais c'est ce que t'as trouvé, il faut une torche. Ah bah, je peux déjà faire une torche, que j'aurais pas dû faire maintenant. Parce qu'il fait totalement jour. Okay. Alors ouais, en fait, il faut des flints. Et du coup, elle est où, la torche que j'ai fait? Non, en fait, il manque juste des herbes, là. Bah c'est bon, je vais faire un feu de camp, là. Les feux de camp, c'est juste des branches et de l'herbe. Ouais, regarde, ah non, pas les feux de camp, oui. Je le fais là? Non, bah viens plutôt le faire à un endroit où il y a plus de...
Quoique, si on le fait là, en même temps, il y a l'eau à côté, et je sais pas s'il y a des ennemis qui viennent de l'eau. Mais en même temps, là où c'est éclairé, est-ce que les ennemis viennent? On peut tomber à l'eau ou pas? Non. Les ennemis viennent pas là où c'est éclairé, je crois. Bah, fais-le où tu veux, hein, j'en sais rien. Je sais pas comment il marche le jeu, donc... Oh, le bâtard! T'es en train de le def? Il est en train de te def? Non, j'ai fait chier les crapauds, ils ont pas aimé, là. Bon, ils s'en branlent de moi. D'accord, donc je suis incapable de tuer un crapaud, c'est ça la blague. Alors j'ai une putain de hache dans la main, quand même. Ouais, mais c'est pas une hache à crapaud. C'est une hache pour le bois. Je pense que là, il faut vraiment qu'on fasse le feu maintenant. Parce qu'il va faire nuit. Mais genre, dans 2 minutes, il fait nuit, quoi. On le fait ici? Non, rejoins-moi. Pourquoi je peux plus faire le truc, là? Ah! Ils m'ont piqué mes bûches! Tiens, attends, je les ai, je te les donne. Attends, je les ai récupérées. Elles sont là? Le mec, il tue les arbres. Voilà. Bon, bah, je récupère tes bûches, là. Pourquoi je peux pas... Pourquoi? C'est-à-dire que je sais pas trop faire un feu, apparemment. Ah bah voilà. Ah! Ah! Là, il y a des pierres. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup? Où est-ce qu'il y a des pierres? Parce que moi, il m'en fallait pour me faire une hache. Tiens. Je peux les dropper, là. Voilà. Merci. T'es bien aimable. Du coup, peut-être que je devrais plutôt faire une pioche si t'en as pas. Non, je sais pas, mais je peux pas en faire. Bah, je vais en faire une du coup, comme ça on a chacun un outil et comme ça on est totalement pas indépendant. Tout à fait. Bon, là on peut rien faire. Donc là il fait quoi là? Il fait nuit, il fait. Il fait nuit, ouais, regarde en haut. Je pense que le jeu c'est juste un connard quand c'est ton premier jour. En fait, je pense qu'à un moment donné, regarde le truc bleu là dans le cercle. Ouais. Où ça doit être la nuit noire absolue où on est comme des cons et on peut rien faire. Bon, je sais pas, je coupe du bois. Bah, t'as raison, vas-y. Moi, je vais rien faire en attendant. On peut emporter tant qu'on veut là? Je sais pas, il doit y avoir des limites. Moi j'ai la pioche, mais j'ose pas trop m'éloigner en fait. Si, je me suis éloigné là, c'était safe. Ouais, mais le truc bleu arrive bientôt et je sais pas trop ce que ça va donner. Oh yes, vas-y, ramène-le ça. Ah non, mais c'est marbre, mec. C'est vachement lourd. Tu vois, je suis peut-être plus fort. Je sais pas comment l'enlever en fait. Ah si, comme ça. Comment on fait pour récupérer de la vie? J'imagine qu'il faut manger. Ah, je suis pas du tout plus fort en fait. Bon, mais manger quoi? Ah si, attends, je peux manger une carotte. Ouais, that's rabbit food. Okay. Tu peux manger des pétales de fleurs aussi. Enfin, moi ça a marché. Tu devrais revenir au feu plus rapidement. Surtout que je sais pas où il est. On doit plus en être très loin là. Bah il était pas là. Ah non putain, il y a des cendres. Ah merde. Ah non, il a cramé pile au moment où il fallait. Ah ouais. Vas-y dégage toi. Vite, il faut de l'herbe. Ouais mais t'as plus de flint, non? Il fallait pas des flint? Ouais mais j'ai des bûches. Et ça suffit? Merde, il me manque encore une herbe. Allez. Je crois que... Oui c'est ça. Hop en fait. Là. Petit feu mon gars. Juste à temps. On va voir, parce que en fait on sait pas. J'ai une hache. Ah tiens, je peux t'examiner. Y'a un truc qui a fait bouger l'arbre là. C'était pas le destin? Oui, je dis n'importe quoi. C'était magnifique.
Attends, ouais, si je mange une carotte. Non, en fait, je sais pas comment me. Si je mange des graines. Non. Est-ce que tu veux. J'ai de la Monster Meat, mais je sais pas du coup ce que ça donne. Peut-être que ça te fait devenir un monstre. Bah, tiens. Je l'ai mis au sol. Allez, on a survécu un jour. Ah, ça m'a niqué ma vie. Désolé. Moi je t'ai donné un truc, toi tu. Mais tu manges n'importe quoi aussi. J'ai des carottes hein, si tu veux. Je sais pas, et c'est quoi le truc vert en bas à gauche là de tes jauges? Genre on dirait une bûche ou je sais pas. En bas à gauche de tes jauges? Moi j'en ai que 3 des jauges. Ah t'en as que 3? Ok. Ah le truc. Quoi? Pourquoi il y a un castor? C'est moi le castor. Pourquoi t'es devenu un castor? Je sais pas, tu peux pas récupérer ma hache? C'est quoi ta jauge verte du coup? Ah bah... Ah ça a peut-être à voir avec le fait d'être un castor. Ta hache elle veut pas être volée. Parce qu'en fait c'est une entité en elle-même, elle s'appelle Lucie. Et à chaque fois elle m'insulte quand je la prends. Ta jauge en vert elle est comment tu dis? Apparemment, je peux manger le bois. Bah, t'es un castor. Ça fait remonter ma jauge verte. Bah, vas-y. Voilà, ok, donc dès que ma jauge. Tu vois ce qu'elle dit la hache ou pas? Non. Moi, à chaque fois que j'essaie de la prendre, elle répond et elle me dit non, mais enlève tes mains, enlève tes sales mains et tout. Elle m'insulte. Normal, hein. Ah regarde là, y'a des berry bush là. Hop. Ah j'avais pas vu. No berries left. Okay. Bon je vais essayer de trouver des cailloux. À taper avec mon truc. Ah y'en a plein des berry bush là. 12 de vie, je sais pas comment me soigner. Bah prends des berry bush. Bah ouais mais ça n'a rien fait, je les ai mangés et... Bah regarde à gauche là dans les crafts, y'a pas un truc dans survival pour faire si j'ai l'impression ouais. Ah non, pas du tout, ça c'est un truc pour les gens qui sont morts. Healing salve, il y a un truc, mais il faut une science machine pour la faire. Et pour la science machine, il nous faut des gold nuggets, du log... Ah putain, je me fais attaquer par le putain de crapaud. Mais essaye pas de le buter, il t'avait déjà buté. Ouais, je ramasse des berries, moi. Ok. Il me laisse tout seul, en fait. On aurait peut-être dû prendre Max qui s'est joué. Ouais, mais bon. Il aurait gueulé qu'on était nuls et il aurait fait plein de trucs dans tous les sens. Ouais, j'avoue. Il a fait, mais vous êtes nuls, les gars! Il y a Professeur Poire sur le live qui dit que la hache est sûrement liée à ton personnage, en fait, vu que t'es un bûcheron. Et que c'est genre une hache magique. Qui a le pouvoir de gueuler sur ceux qui veulent la prendre. C'est un sacré pouvoir quand même. Il fait bientôt nuit, j'ai toujours pas trouvé de cailloux. Pour faire de la science, il nous faut de l'or, donc il faut que je trouve des cailloux de toute façon. Et en fait, il nous faudrait 12 cailloux, comme ça on pourrait faire un feu qui dure bien longtemps, tu vois. Ah bah j'en ai. J'ai du nitre, j'ai des rocks. J'ai du flint. J'ai des rocks, j'en ai 3 des rocks. Faut que je trouve d'autres cailloux. C'est des rocks qu'il faut ou c'est des... Ah ouais, des rocks, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Que des trucs chelous dans ce jeu. J'essaye de trouver des cailloux, mais il y en a pas tant que ça, en fait. Hein. Ah, ça y est, ouais. Là, j'en ai trouvé 2. J'espère contre, rentrer avant la nuit. Ouais. J'en ai quelques-uns des flint. Tu t'es fait une hache, au fait, ou pas? Pas du tout, mais en même temps, j'en ai pas vraiment besoin, donc... Ok, donc il faut que je me charge de récupérer du bois, quoi. Ouais, c'est ton boulot. C'est toi le bûcheron. Max, ça fait... Ça fait, je sais pas, une semaine qu'il a mis une blague sur mon compte Instagram et je lui dis que je comprends pas. Et il me fait, mais non, mais t'as très bien compris, vas-y, fais pas genre et tout.
Et je lui dis non mais je comprends pas, je sais pas, il y a un jeu de mots ou un truc, j'ai pas compris. En fait, j'ai pris une photo de moi et de Canine et j'ai marqué le chien. Et elle a dit, hé, hey, lequel des deux? Ou un truc comme ça. Ah mais c'est toi le chien, enfin c'est lui qui a posté ça? Ouais. Et j'ai pas compris ce qu'il a dit. Et je lui ai dit quoi? Et puis il a dit non mais t'as très bien compris, c'est bon. Alors j'ai mangé des champignons en croyant que bon ça allait me soigner. Et non? Du coup j'ai le jeu qui est en train de me détruire les oreilles là. Parce que moi je vois pas où t'es en fait, je pense que t'es mort. Ah ouais, et je commence à avoir des ombres cheloues. D'accord. Je commence un peu à, à flipper ma race là. Bah t'es pas là en fait. Alors t'es retourné là où on a fait le feu tout à l'heure? Bah peut-être, je vois pas de... Je suis pas loin, mais je sais que c'était par là, mais... Mais je vois pas de cendre ou quoi que ce soit, donc... Ah ouais, il faudrait carrément... J'étais un peu dans la merde, moi. Une pioche, ça va être pas mal pour casser les roches, là. Bah j'en ai cassé plein, des rochers. Ah ok, cool. J'ai juste pas le reste pour faire le feu de camp, je crois. Attends, mais si, je vais essayer. Salut, salut, salut. Bonjour. T'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? Attends, je regarde. Tiens, j'en ai plein là. Fire pit. Non, mais c'est bon, j'en ai plein en fait. On le fait où? Bah, n'importe, mais il faut le faire vite là. Bah, viens, on va le faire là. On va faire fire pit. Et je crois que toi, tu peux faire un feu dedans. Ah, bah non, ça fait un feu. Yeah. C'est bizarre parce que ça a pas du tout besoin de bois, mais. Ah, si, un peu. Ouais. Attends, mais peut-être que si on met... Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux mettre des bûches dedans? Ouais. Il est fou. J'ai mis 16 bûches, mon gars. Ah. Too much wood, too fast. Ok. Mais par contre, je suis toujours drogué complet, là. Ah ouais? Tu vois toujours des trucs chelous? Ouais. Moi, ça va. Par contre, j'ai très faim. Et je sais pas quoi manger. J'ai essayé de manger... Oula, il y a un truc bizarre autour. Attends, je mange des carottes, ça marche. Ah, mais j'ai des berries. Ah, mais moi, ça me soigne pas, les berries. Ça me soigne pas non plus, mais ça, ça augmente mon estomac. Je sais pas trop comment... Je comprends rien. Là, on est dans la zone de... Il fait peur. Et le truc vert, t'es... Enfin, c'est pas un truc avec un cerveau? Non, non, c'est une bûche. Une bûche. Donc je pense que c'est propre au bûcheron. Et c'est un truc, quand ça arrive à zéro, ben, je me transforme en castor, là, je pense. C'est vraiment débile comme truc. Je suis en train de manger tout ce que j'ai dans mon inventaire, là. Et ça se passe bien? Il y a des berries à gauche, on pourra y aller quand il fera jour. Putain, mais je vois les espèces d'ombres de monstres. Ah, mais ça, c'est le cerveau que t'as. Tu l'as, le cerveau? Le cerveau. Ouais, un truc. T'as combien de jauges, toi, à droite? 4. Oh. Et ça ressemble à quoi? T'as un estomac, un cœur? Ouais. Une... En dessous, ouais, un espèce de cerveau. Enfin, je sais pas trop si ça. Et il est à combien, le cerveau? Je l'ai à 49. Mais je pense qu'en fait, c'est ta santé mentale. Ah ouais, d'accord, je suis complètement teubé, quoi. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ta santé mentale, t'es en train de devenir fou parce que... je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il y a un truc comme ça dans le jeu. Et alors, comment on peut... Il y a des berries, là, mais fais gaffe, il y a un crapaud pas loin. Bah, je sais pas comment tu l'augmentes. T'as une bûche à toi, là, aussi. Bah, je vais la prendre. Ce serait bien qu'on fasse le truc de la science... Mais pour ça, il faut les gold nuggets et je ne sais pas où est-ce qu'on peut en trouver. J'imagine qu'il faut. Ouais, attends, moi, il faut que je me fasse une pioche comme ça, je pourrais partir explorer là. Il me faut quoi? Ça, vas-y. Il faut 3 merdes hein, pour faire une pioche. Ah, moi aussi, je commence à avoir des trucs chelous. Ah, ouais, mais moi, je suis à moitié ouf là. D'ailleurs, c'est assez chiant parce que le son. Bah moi en fait j'ai les contours des trucs qui commencent à se barrer en couille comme si ouais, j'étais bourré ça. Quoi. Exactement. Salut Steph Core, est-ce que t'as déjà joué à ce jeu? Parce que nous on sait pas jouer.
Du coup, on comprend pas ce qui se passe. Woodland créature, super. Je suis en train de me barrer super loin, il n'y a pas un seul caillou. Moi aussi. Je suis en train de chercher de l'or. J'ai trouvé des dérives. Toi, tu vas commencer à avoir des hallucinations, tu vas voir. Je suis en train d'attaquer un truc tout poilu qui court là, je sais pas ce que c'est. Alors il y a Steph Core qui nous dit sur le chat qu'il a des souvenirs d'enfer en voyant ce jeu. Ah! Alors, si tu peux nous donner 2-3 pistes. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a Professeur Poir qui dit le but de Don't Starve c'est de propager la démocratie. D'accord. D'accord. Je pense qu'il a pas compris le jeu non plus. Ah mais en fait je peux miner très vite. Eh ça y est j'ai de l'or. Mais t'as trouvé ça où? Enfin j'ai le nitre là, nitre machin là. Ah non erreur. Gold bah... nugget. Ah. Moi c'est du nitre. Ah merde je crois que mon truc, moi aussi c'était du nitre, c'est pas du nitre j'en ai trouvé. Mais mais c'est tout. Ah putain, attends, il me fait mal à la tête là, je vais baisser le son. Ah mais t'es à côté de moi en fait. À moins que j'ai une hallucination, parce que moi aussi je commence à avoir des ombres et à avoir la musique chelou. Voilà, ah putain, ça fait du bien de baisser le son là. Ouais ouais, j'étais à côté de toi, ouais, exact. Peut-être que si on descend plus vers le sud... Attends, est-ce qu'on peut faire un feu déjà là? Rapide et calé. Tu veux qu'on fasse un feu à côté du des cailloux? Bah on continue à descendre. Il y en a plus d'autres des cailloux là-haut? Ah si, merde, y en a quelques-uns. Ouais, bah non. Bah après moi je reviens de en bas à droite et il y avait rien en fait. Ah mais on a une carte en fait. Et mais la map elle est immense. Bah en fait elle est immense et auto-générée donc Oh la pute. Ah ouais bah vas-y, essaie de me rattraper. Super cool. Ça. J'arrive. Je termine de miner mon truc. Putain mais des fois le jeu il est débile et quand tu veux miner il mine pas quoi. Il tourne autour du caillou. Ouais. C'est vrai que je pense pas qu'on peut... Alors Steph Core nous dit feu, bouffe et ressources c'est le principal. J'ai merde. Aucune idée d'où tu es en fait. Je suis en castor mec. Je suis dans la merde. Ah mais c'est pour ça que je te vois plus. Tu vois vers où t'es ou pas? Je ne peux que manger des bûches. Je suis... Ah bah non je peux pas mettre la carte. Mange un ah maximum oui, de bûches. Descends. Yeah descends, tu vas plus être loin là. Ouais coucou. Salut. Alors vas-y, t'as pas des bûches à me jeter là? Bah non mais tu peux pas manger les arbres. Attends si j'en ai là. Tiens. Non c'est bon en fait je peux les manger moi-même. Je peux les cueillir moi-même. Je t'en ai mis là. Ah bah... Attends, je récupère Lucie. Il faut qu'on fasse un feu, je m'en occupe. J'ai fait un méga feu, je mets des bûches dedans. T'as trouvé comment on faisait pour prendre seulement une partie de ton inventaire là quand tu fais des clics? Ah bah c'est contrôle en fait. Une partie de quoi? Quand tu fais CTRL-CLIC sur un truc de ta barre en bas, ça prend que la moitié des items. Voilà. Pro tip. Ok, et Et quand tu manges pas, tu meurs. Je suis à 0 de santé mentale. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah moi je suis en train de descendre, je suis à 51. Il y a Steph Core qui nous dit qu'on doit se préparer à passer l'hiver. Et que tout va se baser là-dessus. Ah, il faut qu'on fabrique des chaussettes. Ouais, il faut tricoter. Non, je sais pas comment on fait du coup. Faut peut-être récupérer plein de bois. Putain, mais déjà, il faudrait que j'arrive à soigner ma santé mentale. Parce que là, je. Tu devrais pas tarder à revenir parce qu'en fait, il va y avoir le moment chelou là. Où en fait, la dernière fois, on est mort.
Donc du coup, maintenant je sais que quand je te vois plus sur la carte, c'est parce que t'es un castor. Ça n'a aucun sens, mais Alors attends. Jusqu'où est descend cette map? Ouais. Elle est vraiment immense. Tu viens de te faire tuer par une ombre. Par une quoi? Par une ombre. Je suis désolé. Putain, je suis en train de regarder la map là. Il y a une ombre chelou, le gars il est venu, il t'a tué. Et apparemment pour te ressusciter, il faut que je trouve des glandes de... Je sais pas, de... Le truc avec 8 pattes là, d'araignée. C'est bien hein. Je sais pas où est-ce que je vais trouver ça. Attends, moi du coup je peux me balader là. Y'a Steph Core qui dit je vous ai donné une ligne directrice, maintenant à vous de jouer et d'en baver. Je vais me régaler à vous regarder. Il a dit quoi? Je vous ai donné une ligne directrice et puis? Maintenant à vous de jouer. D'accord, tu me vois enfin quand je suis un fantôme ou pas? Ouais, je te vois ouais. Il a dit maintenant à vous de jouer et d'en baver. Je vais me régaler à vous regarder. Ah, mais donc moi le fait que je sois mort là... Mais attends mais... Tu vois, tu la vois l'ombre à gauche là? Parce que c'est ça qui t'a tué. Je pense que si je vais à côté, elle risque de me tuer aussi. Ça là? Ouais. C'est ce truc là qui t'a tué. Et donc là, en fait, bah, c'est baisé quoi. Bah en fait, il faut que je trouve un truc avec des araignées pour... Pour te... Pour... Il faut que je trouve des glandes d'araignées pour fabriquer un objet qui me permet de te ressusciter. Moi je peux hanter des trucs mais je sais pas trop. Ils se foutent de notre gueule dans le chat hein. C'est sûr qu'on doit un peu avoir l'air débile. Bah surtout pour quelqu'un ouais, qui connaît le jeu. Sinon il est pas mal ce jeu. De quoi? Sinon il est pas mal ce jeu. Non mais il est rigolo. Bah imagine faire tout ça tout seul. Genre tu te balades et tout d'un coup il y a un truc qui te tue pendant que tu regardes la carte. Ça, c'est un peu chiant quoi. Attends, y'a un chemin là. Ah! Ah! Tu sais, au pire, si on meurt, on n'a pas tout perdu parce qu'on avait rien, donc de toute façon, on s'en branle. Attends, je peux hanter la grenouille. Fais-moi la maline, la grenouille là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Moi, je suis le chemin. Je commence à voir n'importe quoi aussi. Steph Core me conseille de reset la partie. Et ouais, comme je suis mort en fait. Ah, il y avait un lapin au bout. Avec une... Ah non, c'était une fleur. Putain, il y a des nids d'abeilles partout là. Ouais, j'en tue un. Pour mourir. Parce que je sais pas comment on reset la partie donc. Ah, je trouverai pas les glandes de suite. Donc en fait, faut vraiment pas qu'on meure sinon on est dans la merde. Bon, alors attends, il faut qu'on change de stratégie là. Bon, déjà le bûcheron il m'a cassé les couilles, il a se transformé en castor toutes les 5 minutes là, je suis obligé de bouffer du bois, ça me... Ah, je vais prendre elle là, tiens. Firestarter là, on dirait Annie dans LOL. Firestarter? Ouais, la deuxième en fait. Mais peut-être qu'il faut prendre les persos de base, c'est les plus faciles à jouer. Bon, c'est possible, je sais pas. Ouais, genre Gentleman Scientist et Firestarter, allez on va essayer ça. Tu prends lequel toi? Bah je vais prendre le premier du coup hein. Ok bon, je prends la petite fille flippante quoi. Ouais je vois très bien laquelle c'est. Je vois très bien ce qu'il fait. Ok donc Moi j'ai pas de pouvoir. Tu fais une pioche? Moi je fais une hache. Allez. Il nous faut... Je prends du bois, tu prends des cailloux. Ok, il nous faut deux flint et trois trucs. Enfin, il me faut deux flint et trois trucs. Mais non, pas le birchnut. Attends. J'ai un ours en plus.
Ouais, ça te permet. Briquet. De... Ça sert à quoi le briquet là? Bah, le briquet ça sert à allumer un feu. Bah, on a pas eu besoin de briquet tout à l'heure. Bah, probablement que tu peux faire un feu plus facilement. Ça irait bien avec ton nom, Firestarter, tu vois. Ah non, en fait, c'est juste ça remplace une torche quoi, j'ai déjà une torche, ok. Bon, c'est pas mal. Ok, bah, super. T'as besoin de flint pour faire ta hache aussi, non? Ouais, grave. Pour faire une pioche, moi je fais. Non, attends, je sais plus. Non, t'as dit que tu faisais la hache. Si on fait tous les deux la pioche, on va pas aller loin. Ah putain, c'est bon. C'est moi le lead, ok? J'ai trouvé deux cailloux, mais je trouve pas de flint. Ah là, y'en a. Ouais, j'ai pas de quoi faire une pioche là. Attends, j'ai de quoi faire une hache. Tu veux faire la pioche toi? Ouais, bah vas-y, je fais. Attends, mais j'ai de quoi tout faire. Tu veux que je fasse tout et que je te la donne? Ah bah ça y est, je suis là. Attends, je prends le flint. Trop tard. Attends, je l'ai fait. Je l'ai fait, je te la donne. Tu veux laquelle? N'importe, vas-y, file un des deux. Tiens. Putain, mais pourquoi j'arrive jamais? Give. Tiens, je te l'ai donné. Je te l'ai pas donné? Non, je te l'ai pas donné. Merci. Moi, je vais chercher des cailloux, ils sont là-bas. Ils sont à droite. Oh la vache, mais en fait, les bûcherons, ils coupaient le bois trop vite. Alors, il y a Steph Core qui dit, il y en a un qui prend les ressources et l'autre qui fait... Non, il y en a un qui fait le feu et l'autre les ressources pour chasser ou pour des pièges. Sinon, on meurt de faim. Parce qu'on est des connards. D'accord, bon, vas-y, occupe-toi du feu alors. Bah, je m'occupe du feu. Dans ce cas-là, c'est prendre un peu de rocher et du bois. Mais du coup, dans ce cas-là, il me faut aussi la hache. Et... Par contre, ouais, je sais. Moi, j'en ai pas besoin en fait de la hache. T'en as besoin pour quoi? Pour chasser? Non, j'en ai pas besoin du coup. Bah donne-moi l'âge du coup. Je te vois pas sur la carte. Moi non plus, je te vois pas. C'est chiant en fait ces personnages. Ah si, ça y est. Tu peux la glisser sur moi normalement. Hop, attends, je l'ai une équipe en fait. Elle est où? Elle est là. Tiens, pute. Merci, c'est très gentil. Qu'est-ce que t'as dit? Tiens, pute. Non. C'est bizarre ce que tu dis. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je galérais. Alors, il faut. Il va falloir qu'on se bouge là. La nuit, on reste autour du feu, on attend de se lever le jour. J'arrive pas à lire. La nuit, on reste auprès du feu et on attend que le jour se lève pour faire des trucs. Putain, c'est à peu près le seul truc qu'on avait compris ça. Oh mec, j'ai des pépites là. Ah ouais, tu les as trouvées où? Par terre. Des pépites d'or? Ouais. Ah ben on va pouvoir faire le truc à la con là, le science. Ouais putain, j'ai tout ce qu'il faut sauf... sauf ce que je devais faire en fait. Et c'était quoi que tu devais faire? Un piège pour capturer des... Des lapins? Capturer des lapins? Des oiseaux, des petits trucs... Alors, je serai toi, je viendrai dans pas longtemps parce que il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je suis pas loin en fait. Hein. Ah putain, mais il manque des cailloux, il y en a pas assez. Putain, je suis vraiment un connard. Alors, j'ai fait un trap. Je serai toi, je viendrai pas loin parce que, en fait, comme je suis un connard. Ah, mais je vais trouver de l'or là. C'est dommage que je vais mourir juste derrière. T'as fait le feu ou pas? Bah non, parce que j'ai pas assez de cailloux. C'est bon, je vais en avoir assez là. Ah, j'en ai moi si tu veux. On le fait où? On le fait là sur le. Au centre? Attends. J'ai mis un piège. Mais pourquoi tu mets un piège? Fais-le là. À côté de là où on est? Ouais. Regarde. Mais oui, mais il sert à rien ton piège. On est là. Ils vont pas venir. Mais regarde, ils sont bien à côté. Ouais, oui, bon. Viens, on se cache derrière cet arbre. Mais non, mais. Viens près du feu, il est con. J'ai trouvé une gold nugget, hein. Ah, regarde, les graines les attirent. Ah, mais attends, je sais. Regarde, je vais mettre des graines dans le piège. Je la sens bien, l'histoire, là. Merde, je les ai bouffées, en fait. Il est con. Ah, putain, comment on fait, quoi? Drop. Tiens, file-moi des graines, toi, petit bâtard.
Kenine, viens ici. Trop du cul. Profite qu'on soit occupé pour aller dans la chambre. Sauf qu'il s'est fait griller parce que l'appart elle a fait. Oh regarde, regarde. Bah il n'y va pas. Mais n'y va pas. Marche pas ce piège. Mais n'y va pas. Il va dessus, forcément qu'il va s'en aller. Il y a Steph Core qui se marre hein, dans le chat. Hein. C'est moi, ok. Bon. Attends, je leur ai mis des graines, je leur ai mis des baies. Attends, viens à côté du feu là, on va mourir. Viens, on va mourir. On peut se brûler ou pas? Bah, moi j'ai pas réussi. J'ai essayé pourtant. Mon gars, je m'en fous, j'ai un briquet. Alors, ça fait pas le malin les ombres là, hein? Mais fais gaffe parce que tout à l'heure l'ombre elle t'a tué à côté du feu. Hein. Ok. Bon. Pendant ce temps-là. Alors attends. Là, alors ton piège, apparemment, c'est un piège à lapin. Et il y a Steph Core qui se fout de ta gueule. Qui dit où vivent les lapins, où pose-t-on le piège, 1 plus 1 égale 3. Capture small creatures. C'est pas non plus indiqué que c'est du lapin, quoi. Oh, allez. Je reprends mon piège, je reprends mes graines, je reprends mes baies. J'encule tout, je me casse avec mon piège. Attends. Y a pas un truc autre chose que cliquer pour faire une action là? Parce qu'en fait ça marche super mal je trouve. Non, F ou espace je crois. Ouais, F c'est plus attaquer j'ai l'impression. Ah ouais, bah alors espace. Espace. Mais en fait finalement peut-être que le contrôleur aurait été sympa, la manette. Je sais pas. Bon alors je chope du bois. Hein. Littéralement, parce qu'en anglais on dit tout chap. Ah là, qu'est-ce qu'on sait. C'est super drôle. Eh, moi j'adore l'humour, hein. Moi je cherche des lapins. Mais c'est probablement dans la forêt ou une connerie comme ça. Eh ouais, mais on est plutôt dans le désert que dans la forêt, j'ai l'impression. Je coupe pas mon désarroi. Ton désarroi. Mon désarroi, exactement. Là, là, y'a pas des lapins dans le cimetière, là, sans déconner. Mais pourquoi j'arrive pas à couper cet arbre? Ah merde, j'ai plus de hache. Connasse. Alors, il dit... Steph Core, hein, toujours le même. Le seul qui sait jouer ici. Il dit que ça peut marcher pour les oiseaux, mais qu'il vaut mieux garder les graines pour les moments de famine. Parce qu'on peut manger les graines. Les graines, ça régénère rien tout à l'heure. Ça régénérait rien tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais ça régénérait pas ta vie, mais ça régénérait peut-être. Putain, c'est chiant. Je peux pas. Attends. Je vais. Il me manque une branche. Une branche ou nette. J'en ai pas en plus. Bon, je suis toujours à la recherche de la pomme. Du coup, je mine. Tant pis. Les forêts du monde. T'as parcouru le chemin? Tenu la distance? Ouais, j'ai tenu la distance, mais. On peut pas les poutrer ces putains de corbeaux là. Putain, mais j'ai plus de pioche non plus, donc je suis niqué là. Il me faut vraiment un putain de petit bout de bois. Les lapins, c'est énormément plus rentable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Rock Den. C'est très bizarre, il y a un espèce de terrier mais en rocher avec une porte limite. J'ai trouvé un loot verrouillé. Voilà. D'accord. En fait, j'essaye de te retrouver là. Je suis pas loin. Ça te va ou... Je te vois pas sur la map. Pourquoi je ne te vois pas sur la map? Je suis dans la forêt, en bas de notre camp, là où on était.
Tu vois où on était ou pas? Bah, je suis devant notre feu de camp là. Je crois que. Je crois que je vois. Je suis devant notre feu de camp que je viens de ressusciter parce que en fait j'ai pas de quoi en refaire un nouveau. Donc autant le ressusciter. Attends, attends, j'ai la peine, j'ai la peine. Oh, ah putain. Y a plein de lapins ici. Est-ce que t'as une bûche de bois par hasard? Ouais, j'en ai 5. Ah bah ça m'intéresse parce qu'on pourrait fabriquer le truc pour la science. Okay. Et que moi je viens de cramer une des dernières qu'il fallait pour ça. Attends, j'essaie de savoir comment ça marche. Ah mais il faudrait peut-être des carottes pour attirer les lapins. Peut-être. Est-ce que tu veux pas revenir parce que là ça va être l'enfer. Putain. Ouais mais j'aimerais bien savoir. Où dois-je revenir? Regarde la map. Ah mais toi et moi on a peut-être pas la même map. Ça le... Et bah sur ta map tu vois pas l'endroit où il y avait la ruche parce que c'est à cet endroit là qu'on est. En fait je vois peut-être un truc mais je sais pas trop si c'est le point de départ ou... Est-ce que c'est un gros cercle? Au-dessus d'un désert. Ah ouais ok ouais je suis au portail là en fait. Ça c'est le point de départ, bah il faut que tu descendes complètement au sud. Sud-ouest. À un moment donné, tu vas taper dans une forêt et il va y avoir un fleuve. Et ben, du coup, faut passer le fleuve et on est à côté. Le sud, en fait. Le sud, c'est vers le bas. Et pas forcément. Si t'as fait rotationner la map comme moi. Et ben, en fait, tu regardes parce que la map, elle est toujours pas du tout toujours orientée vers le. Bon, d'accord. Je m'attendais à ce que la map il la mette vers le nord tout le temps, mais pas du tout. Non, c'est pour ça que tu peux fabriquer une boussole d'ailleurs. Tu peux pas revenir vers le portail? T'es loin du portail ou pas? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que si moi je reviens vers le portail, on risque de mourir sur le chemin du retour. Attends, j'arrive au portail. T'as de la chance que je sache où c'est. Parce que moi je suis pas perdu. Il est marqué sur la map, c'est une espèce de spirale grise. Bon, en fait, si je suis perdu, parce que là je suis pas du tout au portail. Putain. Il est indiqué sur la map le portail. Ouais, je sais, j'y vais là du coup. Ouais, dépêche-toi. Bah, mais c'est con parce qu'on a pas de feu là-bas donc faut vraiment que tu te dépêches toi aussi. Mais moi j'y suis, hein. Là, tu me vois? Viens, on y va. Dépêche-toi. C'est toi, dépêche-toi là. Il y avait plein de lapins là. Attends, les lapins sont ici. On va mourir à cause de toi. On va mourir. On peut pas courir. Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Voilà là. On arrive pile à temps. En fait, fallait vraiment juste faire tout droit vers le bas, quoi. Exactement. Juste, fallait savoir où était le bas, quoi. Du coup, tu peux me filer une bûche? Ouais. Merci. Pour les 8 bûches. Je t'en ai filé 5, là. Je sais pas combien tu m'en as filé. On a fait une science machine. On est heureux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant on peut fabriquer plein d'autres trucs. Et merde, ça sert à quoi? En fait, de lui-même, j'ai l'impression que ça fait rien de spécial. Mais par contre, du coup, ça te débloque des crafts à gauche. Ah ouais! Magic, refine, cut stone. Rien à battre. Ouais, mais là, il faut quand même que j'arrive à choper des putains de lapins. Là. Ah, d'accord, si tu prends de l'herbe, si t'en prends 3, du coup, maintenant, tu peux faire une corde. On me rappelle que j'ai faim, mais je n'ai rien à manger car le chasseur n'a pas réussi à avoir des lapins. Attends, ça y est, maintenant qu'il fait jour, tu vas voir. J'ai essayé de choper des... Je vais enculer tous les Bugs Bunny de la Terre, là. Et si, il est petit.
Ah oui, mais non, mais j'ai toujours le même problème, moi. C'est j'ai toujours pas ma putain de branche pour me faire une pioche, là. Est-ce que tu penses qu'on le voit quand le piège s'est déclenché ou pas? Aucune idée. Mais où est-ce que je vais choper une branche? Alors on me dit, les abeilles produisent quoi? Du miel? Oui, non mais je me doute que les abeilles produisent du miel, mais la dernière fois qu'on est allé vers les abeilles, il y en avait 16 qui sont sortis et on est quasiment mort. Du coup, moi j'ai pas envie de retenter. Là. En plus, j'ai une phobie des abeilles, donc... Oh, j'ai mis deux pièges avec des carottes, mais... Attends, du coup, je vais quand même faire une... H. Dis-moi le chien, t'as pas l'impression de faire beaucoup de bruit? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mais serait-ce pas un peu dangereux? Wouah, j'ai chopé un lapin! Félicitations. Et alors attends. Rabbit murder, mais grave! C'est bon, j'ai un rabbit! Mais murder, c'est pas genre. Bah là, un troupeau? Tué. Non, murder, c'est tu le butes quoi. Ouais, mais t'as. Parce que celui-là pour. Par exemple, les corbeaux. Une meute de corbeaux, enfin, je sais pas comment on dit en fait en français. En anglais, ça se dit murder raven. Raven murder. Un groupe de corbeaux, c'est on dit murder. Ce qui est dégueulasse quand même. T'es sûr de toi? Sûr de moi. D'accord. Ah putain, oh, là, j'ai plus de carottes. Eh, hey, j'ai deux rabbits là. Félicitations, je pense. Attends, c'est où? C'est là. T'es toujours vers le portail là ou pas? Pas du tout. Là, je suis en train de récupérer un maximum de bois pour pouvoir enfin me refaire une pioche, récupérer des trucs. Ça ne servait à rien. A Murder of Crow. C'est pas Raven, c'est pour Crow. Non, c'est pas... Ok, bah je suis vraiment en train de perdre de la vie parce que je suis en train de mourir de faim, en fait. Merci. Viens. Attends, t'es là. Bonjour. Bonjour. Ah, ça va beaucoup mieux. Ah, ça y est pas tant que ça. Hein. Ouais, bah ça fait 13. Attends, mais c'est quoi ça? Ah, mais c'est nous, c'est notre. Putain, je suis débile. Bah, c'est ton truc et. Ouais, ouais. J'avais pas reconnu que j'étais aussi proche. Non, j'ai pas regardé les orphelins de Baudelaire en VO. Je savais ce truc là, je sais plus pourquoi, parce que j'étais tombé dessus. Voilà. Parce que t'es trop fort. Pas, j'ai dû tomber dessus au détour d'une vidéo YouTube comme d'habitude. Les gens pensent que je suis cultivé alors que je fais que regarder des vidéos YouTube toute la journée. Je pensais que c'était Murder of Raven, oui. Je savais pas que. Enfin, je savais plus si c'était Crow ou Raven. Bah, c'est Corbeau et Corneille, non, y'a pas une. Ouais, c'est un truc à la con, ils me font chier les Anglais. Bon, du coup, j'ai plus de hache comme d'habitude. Mais j'ai refait le feu parce que c'est le début de la nuit, donc reviens quand tu veux. Et en fait, on peut y jouer pendant des heures à ce jeu. Ah bah je pense qu'il n'y a pas de fin. Hein. Enfin, il y a probablement plein d'objectifs, mais il n'y a pas de fin. J'ai trouvé la maison avec trois petits cochons. Ouais, c'est il y a... Mais moi j'ai trouvé plein de trucs chelous aussi. Il y a Professeur Poire qui dit la différence entre Raven et Crow pour Corbeau et Corneille, c'est un peu YOLO. Genre des fois ils utilisent ça indépendamment et c'est un peu comme ils veulent. Ah ouais, bah il doit y avoir une différence quand même, enfin, ça doit s'expliquer. Bah en théorie c'est ça, mais en gros il y a pas mal de monde et je pense qu'on en fait partie, sans même le savoir, qui appelle les corneilles des corbeaux quand ils les voient parce que personne sait les différencier quoi. Ouais, bah je crois qu'en fait en France il y a pas de corbeaux ou l'inverse. On a que des corneilles et pas de corbeaux ou on a que des corbeaux et pas de corneilles. Ah mais il y a des trucs ça, avec en fait. De la magie. Genre le corbeau c'est super rare. Ah ouais.
Soit ça, soit l'autre. Ah, on peut faire une ferme avec du caca. Avec du caca? Exactement, avec de la manure, donc c'est globalement Attends, est-ce que t'as du flint? Je dois en avoir, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, j'ai méga trop faim en fait. Bah faut manger, hein. Mais en fait moi aussi, je suis carrément en train de mourir là. Mais ouais, c'est chaud. Putain, je suis débile. Viens, en fait je prends Ah, en fait je peux pas, j'ai pas de... Oh merde, j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. Bah moi je suis en train de crever. Je suis bientôt mort là. T'as des trucs ou parce que j'ai vraiment rien à manger moi? Tiens, j'ai ça. J'ai mangé une graine. Je sais pas si c'est bien ça. Bah. T'as des graines là aussi. Bah ça remonte rien en fait les pétales. Voilà, bon. T'es content? Merci. C'est quoi, regarde, attends. Ah bah non, j'ai plus de flint. Attends, faut que je récupère le flint vite fait. Je me fais une hache. Et je fais mon connard. Tiens, prends une pépite, comme ça tu peux te construire une boussole. Et tu fais ça comment? Dans Survival, t'as la boussole. Je la vois pas. Ah, elle est plus bas? Oui. Ouais, ouais, il est tout en bas, ouais. Il me refaut le flint, du coup. Mais de toute façon, je vais mourir dans 2 secondes. Ah! Attends, viens près du feu, viens près du feu. Waouh, 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 il y a des ombres partout là. Waouh, waouh. T'es sûr que c'est pas ta santé mentale? Ah ouais, je vais crever, hein. J'ai plus rien à manger et je suis mort. J'ai 10 de vie. Tiens. Des graines, mange des graines. Mais j'ai même pas le temps de les manger. Mais j'ai pas le temps de les attraper. Il became a spooky ghost. Et du coup je peux pas te raise, c'est ça? Apparemment je peux te dépouiller salement quoi. Ouais. Non mais tu peux pas me raise parce qu'apparemment c'est beaucoup plus compliqué. Attends. Que ça pour raise les gens. Et si je vais dans le noir? Tu vas mourir? Ah, ils m'ont briqué. Ah ah! Ça fait moi les malins! Ouais, bon bah ça sert à rien quoi. Ah d'accord, en fait les corneilles sont des corbeaux. Et en fait dans les corbeaux il y a plein d'autres trucs que les corneilles. Voilà. Dans le sens français. Mais par contre en anglais, crow et raven c'est juste 2 espèces de corbeaux différents. Dont l'un est la corneille. Ah d'accord. Mais tu sais c'est un peu comme pingouin et et je sais plus quoi, mais en gros, pingouin en anglais, ça veut dire manchot en français. Ouais. Et sauf qu'on se trompe et on dit pingouin parce que, en fait, on pense que. Parce que partout ailleurs, ils disent pingouin. Et du coup, en fait, nous, on dit pingouin, mais en français, on devrait dire manchot. Et en fait, les pingouins, c'est des trucs. C'est des petits oiseaux qui font la taille d'une poule, là, ou je sais pas quoi. Ah oui, non, mais le pingouin, il vole et le manchot, il vole pas. Ouais. Mais sauf que tout le monde appelle les manchots pingouins, ouais, effectivement. Bon, mais vas-y, ça m'a saoulé, là. Il faut reset encore. Alors, il y a Steph Core qui dit que les corbeaux et les corneilles, c'est pas du tout la même chose, parce que les corneilles, ils ont un bec noir, et pas les corbeaux. Voilà, c'est ça. Putain, je savais, il a raison. C'est un truc comme ça. Et, et il y a Professeur Poire qui... Me dit que Corneille, c'est un écrivain, quoi, donc je sais pas. Bah c'est un chanteur, déjà, à la base. Ah ouais, c'est vrai aussi. Professeur Poire qui dit que, en fait, de toute façon, tout le monde fait n'importe quoi avec les termes et qu'on s'en branle. Voilà, c'est pas faux, aussi. On fait quoi, on reset, du coup? Bah oui, à moins bon, que tu veuilles continuer tout seul et que je te regarde... On peut aller sur PUBG aussi. Je sais pas. Ah, comment on fait pour reset? J'ai aucune idée de comment on fait pour reset. Ah d'accord, quand tu mets pause, t'appuies sur pause, et en fait du coup quand t'es en ligne, il y a marqué not pause. Not pause. Ouais, seriously not pause.
Alors, j'ai peut-être fait de la merde. Là. Ah non, beat, early day. Et alors, je peux pas le reset. Au niveau du reset. Il y a un gros débat sur les corbeaux sur le chat, man. Mais ouais, mais il me semble vraiment qu'en fait, nous, on a que des corneilles en France. Et qu'on n'a pas de corbeaux. C'est mon dernier. Apparemment, ça dépend de où tu regardes. Genre, en ville ou à la campagne, c'est pas pareil. Et genre, en ville, les piafs noirs... Non, en ville, on voit des corneilles et pas des corbeaux. Ah. Pff, moi, j'y connais rien. Sinon, on essaye de se connecter à un autre serveur. Au serveur de quelqu'un. Où ils ont déjà un milliard de trucs. Ouais, on va y repourrir leur truc. Ouais. On va se faire insulter, quoi. Ouais, grave. Non, mais je pense qu'il faut qu'on se renseigne un peu sur le jeu, quoi. Bah là, c'est déjà pas mal, ce qu'on fait, hein. Là, on est trop fort, hein. Là, franchement, on a gagné. Franchement, il est un peu facile, ce jeu, quand même. Attends, mais on peut... Ah ouais. C'est standard, don't start experience. Et on peut pas... Caves, no caves, d'accord. On peut pas changer la forêt, ok. Et alors le mec qui se vénère. Je voudrais reset, là, s'il vous plaît. Mais du coup, parce que moi j'ai été éjecté du serveur, hein, je sais pas si t'es au courant. Et ouais, mais j'ai fait disconnect en fait, moi. J'étais allé un héros, tu vois, je me suis dit, j'ai disconnect, ça va... Et en fait, non. Si je fais ça... Ok, ok, inspect self, ok, on peut pas. Mais alors je sais, franchement je pense qu'on peut pas, on peut pas. On peut pas quoi? Bah reset... J'ai trouvé un truc génial dans les filtres, je peux mettre friends, yes, et en fait je vois que ton serveur. Ah, bah voilà. Excusez-moi, j'aimerais mourir, s'il vous plaît. Pourquoi? Et pour pouvoir reset. Parce que j'ai le bouton reset que quand je suis mort. C'est quand même... C'est quoi les bruits que j'entends à côté? Ah, mais attends, mais tu viens de join, là? Ouais. Et t'as... Ah, bah non, t'es toujours fantôme. Ouais. Ah, mais ça, c'est mon chien qui est en train de défoncer une poche, j'avais pas vu. Hé hey. T'es vraiment un gros trou du cul. Hey, pose-toi là. Ah voilà, je suis décédé. Et là, je peux reset. C'est nul. C'est nul. C'est... Bah pratique, quoi. Non. How to reset. Don't starve. Tout bizarre. Reset caractère during game. Moi je vais pas, je vais prendre quelqu'un avec un pouvoir parce que sinon c'est chiant. Ouais, mais... Bah genre le robot en fait il a pas besoin de manger, ça fait déjà un truc en moins. C'est un peu cheaté ça. Je dis ça, je dis rien. Après si tu veux la jouer facile, ok. Alors, j'ai du scotch, moi. Je suis assez classique. Moi j'ai que dalle, donc du coup en fait je pars de zéro. Je m'occupe des ressources. super. Moi je fais quoi alors? Non mais je m'occupe des ressources et du feu. Bah toi tu fais la chasse là. T'étais équipé là. T'étais trop fort. À un moment donné, t'avais même réussi à trouver un lapin. Ouais, j'en ai eu deux même. Ouais, c'est parti. En fait, il est cool ce jeu, mais ouais, du coup, tu peux y jouer, mais...
Il y a plein de lapins là où je suis, hein. Juste pour info, ils sont dans le désert, les lapins. T'as plein de tapins ? J'ai plein de tapins. Ok, bah, il faut juste que je fasse des pièges. Ah, j'en ai plein ici, il y a des carottes en plus. Il y a des carottes aussi, ouais. Elle a l'air cool cette map là. Alors, une hache. Ah, un dindon ! Une ah, pioche. Il flippe, le con. Salut. Je suis à la recherche d'herbe. Ah, il est flippant le dindon, t'as raison. Ouais, ouais. Surtout qu'il fait blouh. Eh oui. Putain, je vais choper une tendinite à force de cliquer. Non, ça marche pas de faire... F ou de... Si, espace, ça marche. Espace, ça marche pas chez moi. Ça fait rien du tout. C'était pas en face, peut-être. Mais... Ah oui, t'as raison, j'étais pas en face. Et voilà. Ah, mais c'est moins rapide que la souris, en fait. Quand la souris marche. La souris, des fois, elle marche pas. C'est long. Eh, franchement, Minecraft c'est pareil. Hein. T'arrives, tu coupes du bois. Bon, c'est rigolo. Moi j'y ai beaucoup joué pendant un temps. Puis après tu fais un peu le tour quoi. Après, ce qui est cool, c'est que justement tu peux télécharger plein de maps avec des gens qui font des trucs. Complètement scripté dans tous les sens et qui change tout le jeu, mais tu te lasses un peu. Enfin, c'est rigolo. Avec des... Je crois que t'as un piège avec un lapin parce que je vois un piège qui saute dans tous les sens. Je peux le récupérer ou pas? Je vais voir. Pour l'instant, je m'occupe des cailloux. Okay. Parce que là, il y a plein d'herbes donc je suis content. Voilà. Oui, je peux le récupérer. Cool. Ozzy, tu saoules. Mais en fait, je sais pas quoi faire avec. Il y a juste marqué examine, mais. Après, tu le poses sur un terrier comme ça. Hop. Tu mets une carotte. Wait. Non, j'ai pas de carotte. Mais c'était bizarre parce qu'il bougeait et du coup. Ouais, mais t'as... quand tu l'as récupéré, ça t'a mis un lapin dans l'inventaire. Oui, effectivement, oui. Ah, bah, tu le murder le lapin et t'auras. Effectivement, ouais. T'as totalement raison. Voilà. J'ai totalement pas assez de cailloux pour faire un feu. On est dans la merde. C'est dommage. Ah ouais, en plus j'ai plus le briquet là. Eh Ozzy, t'es chiant. Ça s'entend. Je vais faire mon. Allez, ici. Je vais faire mon possible pour trouver un caillou très vite. Allez. Voilà. C'est mal parti. Parce que là j'en trouve aucun. J'en ai pas un seul en plus. Putain, mais y a pas un caillou. Paye ton caillou, quoi. Bah, sinon, on peut faire des torches. Hein. T'as de quoi faire une torche, toi? Non, moi j'ai rien. Je me suis concentré sur les pièges. Et il faut de l'herbe. T'as de l'herbe? Ouais, ça a de l'herbe, j'en ai. De l'herbe et des bouts de bois, mais le problème c'est que en fait j'ai de quoi faire qu'un seul bout de bois. qu'un seul truc aussi. Attends, là il y a un gros caillou, je vais peut-être pouvoir. Tiens, si, je peux faire une torche. Bah, fais-toi une torche au pire. Mais... Voilà, je me suis fait une torche. Je vais regarder, mais j'ai peut-être de quoi faire le feu. Non, toujours pas, il me manque 3 cailloux. Y'a pas un seul lapin qui s'est pris dans mon piège là. Et pourquoi il a pas pris l'herbe, connard?
Putain, il me manque 3 cailloux pour qu'on puisse faire un feu. On va pas les avoir. Ah mais attends mec. Quoi? On peut mettre le feu à la forêt. Vas-y, viens, viens, viens. Bah c'est pas ça qui va faire qu'on va survivre. Hein. Mais si. Je suis comme un arbre. Ah bah ça fait la lumière ça. T'es où là? Je suis là, j'arrive. Je me fais une torche. J'imagine que t'es à gauche. J'espère que t'as bien plein de lumière parce que là c'est la nuit noire. Hein. Ouais ouais. Putain, je te vois plus du tout. Ah bah attends, je vois plein de lumière, ça doit être la forêt qui brûle. Ok. Ici, on est bien. Mais là il y a quand même beaucoup de flammes. Hein. Je mets quand même un feu à côté. Fallait pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas très, très respectueux. Les lapins, ils veulent plus se faire prendre au piège là. Ça non, ça te touche pas déjà. Tiens, viens là parce que là tu vas être dans le noir dans 2 minutes. C'est bon, il fait jour. Ah, ça fait du charbon. Ah mais merde, mais ça on a ça fait ça fout le feu à côté en fait. Bah ça fout le feu partout. C'est ça qui est chiant, du coup on a plus de bois. Ça va. Il est débile, il est débile. Completely chilled. Probablement carbonisé, oh, un truc comme allez, ça. Le lapin. Attends, en fait il faut les faire courir vers le piège. Ah ouais non, d'accord. Bon, il me faut des cailloux, je vais chercher des cailloux parce qu'on en a pas assez. Je regarde la map, voir si on a un truc. Des cailloux, ça? Ça a l'air d'être des cailloux, on en a plus bas. Je vais chercher les cailloux. Allez, chercher les cailloux. Vas-y, vas-y, va chercher un caillou. Moi, je regarde dans quel trou va ce lapin. Hop. Il va chercher les cailloux. Il y a un lapin là. Je peux pas l'attaquer, je pense. Pas à la pioche, ça va pas marcher. Bah ouais, mais là il y en a un autre ici aussi et. Pas bon. Eh, mais faut arrêter avec les pièges, hein. Faut des fusils. Hein. Vas-y, sors ton fusil. On peut faire des fusils? Non, je sais pas. Je dis ça pour rire. Peut-être que plus tard on peut faire des fusils. Mais c'est pas des cailloux ce que j'avais vu sur la map là, on est où? Non, c'est pas des cailloux en fait, c'est quoi? C'est des souches d'arbres, on s'en branle en fait. Top. Là-bas il y a des cailloux. C'est loin. À se repérer quand même là, sans... Bah moi avec la carte j'arrive à bien m'en sortir mais... Parce que je mémorise à peu près où on était quoi. Et puis le feu de camp il est noté en fait sur la carte. Ah ouais? Bah ah moi, ouais. Moi je le vois. Ah, c'est tellement pratique. J'ai trouvé des trucs à gold donc... Oh putain, il y a un gros monstre chelou. J'espère qu'il va pas m'attaquer. Il y a une espèce d'autruche géante, mais chelou. Une autruche géante? Ouais. Ah merde, j'ai plus de... Oh putain, j'ai plus de pioche, nique ta mère. Nique ta mère, j'ai plus de pioche, nique ta mère. Pioche, nique ta mère. Nique ta mère, j'ai plus de pioche. J'ai un cadeau qui est apparu en haut à gauche. Pas moi. Ça me dit que ça requiert plus de science. Okay. Ouais, d'accord, ouais. Écoute, je mine.
Ah putain, mais quand t'appuies sur espace, ça ramasse tous les trucs autour de toi, c'est trop bien. C'est trop bien la touche espace en fait. Je vais l'utiliser tout le temps partout. Ça s'entend que j'utilise beaucoup, non? Ah ouais, exact. Je pense avoir assez de trucs. T'as vu, si tu mets la molette à fond en arrière, t'arrives dans les nuages. Ah, j'ai pas essayé. Ça ne sert à rien. C'est rigolo. Je reviens à la maison. Ce qui fait quand même bientôt bien nuit. Moi aussi, j'ai un cadeau qui est apparu. Les pièges en cas qu'il se fasse niquer pour la nuit. Hein. Kellen, qu'est-ce que tu fous, trop du cul? Mais ici. Moi, le mien, il est en train de violer sa peluche. Ouais. En fait, c'était hier où Pauline était en télétravail et en fait, elle était en train de bosser dans le bureau et tout d'un coup, elle va, je sais pas, se faire un café ou un truc à la cuisine. Du coup, elle passe. Au niveau du salon, elle tourne la tête et elle voit le chien allongé sur le dossier du canapé. Alors que déjà, bon bah, il a pas le droit d'aller sur le canapé. Mais là, il était carrément sur le dossier du canapé parce qu'il y avait un grand rayon de soleil qui touchait le dossier. Ah ouais. Et il s'est étalé sur le dossier, en équilibre. Ouais, il le fait, lui aussi. Tiens, je t'ai foutu à bouffer, là, si tu veux. Ah, merci, c'est gentil. C'est vrai qu'il faudrait que je mange, parce que je vais mourir encore. Ah ouais, non, mais c'est bien là, j'ai le ventre plein, quasiment. Je suis à 3 quarts. Ouais, putain, moi je suis à 86. Je suis à 85. J'ai ma santé mentale qui décline et je sais pas pourquoi. Puis surtout, on sait pas comment la régler, ça. Ouais. Alors du coup, on peut faire ça. Et peut-être qu'on pourra ouvrir le cadeau du coup. Oui. Je peux ouvrir le cadeau moi. Et c'est des gants. Ce qui ne sert à rien. D'accord, bah use later. Moi j'ai un coffre de je sais pas quoi. T'as vu, moi j'ai des gants. Ils sont beaux, hein. Ils sont rouges. Ah ouais, putain, c'est magnifique. Ah, en fait on peut se brûler près du feu, t'as vu? Ouais, quand tu t'approches assez près. Il y a des flammes qui apparaissent sur l'écran, non? Ouais. Bonjour. Je recherche un peu de lumière. On va remettre une bûche, hein, au cas où. Ou deux, ou huit. Comment gâcher des bûches? Une démonstration par Puff Magic Fingers. Use an alchemy engine. Putain, comment on fait un alchemy engine? J'imagine que c'est dans la science. Alchemy engine, il faut des planches, des cubes de pierre et... C'est quoi ça? Des bobines électriques. Alors les planches, c'est simple. Il faut aller dans Refine et... Ouais, et refine le bois. Les stones, je peux l'avoir aussi. Il en faut combien? Les stones, il en faut. J'ai dit quoi? C'était alchimie. Il en faut deux. Bah regarde. 4 planches et 2 bobines. Et les bobines, il faut des stones aussi pour les faire. Il faut une stone et deux bobines d'or. Ah bah je peux les faire. Il aurait fallu que je farme aussi. Bah attends, mais bah, je fais tout. Ah non, j'ai. Ah oui, d'accord, mais il faut une stone déjà. Ok, c'est le bordel. Alors. Il faut deux bobines, t'as dit. Ouais, je crois, ouais. Je suis plus à côté, donc je peux pas te dire, mais là, je suis parti poser les pièges. Je vais voir. Le truc de alchimie. Ouais, il faut deux bobines. Le problème, c'est que si je fais une nouvelle bobine, après,
Il faut... Ah bah il faut des planches en fait, il faut juste du bois en plus. Merde, est-ce que j'ai deux pickaxes? Non, c'est bon. Ok, le chat est mort par contre. Hein. Personne ne parle. Le débat sur les... Sur les corbeaux et cornets est terminé. Du coup, ça a un peu tué le chat. Ils étaient deux et ils ont commencé à s'engueuler sur qu'est-ce qu'était un corbeau. Depuis, ils veulent plus parler. Putain, j'ai plus de haches. Ça fait que mourir tout le temps, les haches. Ça me saoule. Je suis saoulé. Comment on fait le refine? J'en trouve plus. Ah, voilà. Refine. Les planches, merde, il en faut 4. J'en ai que 3. Ah, ça me saoule. Il me faut des putains de saplings. Ouais, des saplings, moi j'en ai quelques-uns. Je te dis que ça, mon gars. J'en ai pas masse, mais en fait, ce qui est assez chiant, c'est... Pourquoi il y a un squelette bizarre au sol? Au sol? Ouais, ce qui est assez chiant, c'est que tu passes ton temps à refaire des haches et des pickaxes, en fait. Bah ouais, mais moi je passe mon temps à ramasser des carottes, à chercher les carottes, sans en trouver aucune. On me dit que je devrais faire des titres d'articles. Des titres d'articles? Des clickbait. Des trucs putaclic et tout, parce que comme ça je fais... Ah dis donc, le débat sur les corbeaux a tué le chat. Et du coup, ils se sentent obligés de parler pour dire qu'ils sont pas morts. Ça, c'est un peu du clickbait. Bien ici, si tu sais je les ai manipulés. Je pourrais travailler dans la com. Ah merde, faut que je sois dans une sorte de machine. Bon, je vais continuer de choper du bois parce qu'il nous en faut plein. Y'a pas moyen de l'enculer le dindon là. Mais on aura des armes à un moment donné donc. Ouais, je voudrais bien le tuer, tu vois. Steph Core aussi dit qu'il est en vie. Ah d'accord, ouais, non, il disait qu'en fait le clickbait et le putaclic c'était mentir sur le fait que genre il y a eu un débat de fou, alors qu'en fait il n'y a pas eu un débat de fou du tout, ils ont juste échangé 3 phrases. Je crois que le dindon il a peur de toi. Non, mais je viens d'en retrouver un là. Ah mais l'enculé il bouffe les graines. Bah c'est un dindon. Hein. Plein de carottes là, ça y est. Merde, je trouve plus le feu de camp. Ouais, il est juste là en fait. A chaque fois que je trouve pas le feu de camp, je suis à 2 mètres. Bon, bah je fais des planches. Il en fallait combien, attends? Je suis complètement perdu. Il en fallait 4. J'aurais jamais assez. Ah ouais. Le feu carrément en bas, ok. Est-ce que mes pièges ont fonctionné là, en attendant? Parce que... Bah, je sais pas où ils sont. Donc je peux pas te dire. Ils sont au sud, en dessous du feu de camp. Enfin, ouais. Peut-être au sud, je sais pas. Ils sont pas loin du feu de camp, yeah. J'ai fait un truc d'alchimie, je sais pas si ça nous sert à quelque chose. Ouais, je crois que ça fait pousser des graines. Sérieux? Non, y'a pas une histoire comme ça là. Ah. Ah oui, tu peux faire des trucs avec les graines, ouais. Ouais, mais il faut quand même de la manure, et ça on en a pas. La manure, c'est de la bouse de vache, quoi, des trucs comme ça. Attends, ça on va trouver. Bah faut qu'on trouve des vaches. Parce qu'en fait je sais que dans ce jeu il y a des espèces de taureaux ou des vaches ou je sais pas quoi. Tiens, je t'offre un lapin. Je suis assez pauvre là. Merci. Par contre je t'offre 8 berries. En plus c'est des juicy. En fait c'est cool parce que tu me rappelles que je dois manger. A chaque fois que tu m'offres un truc c'est quand je suis à moitié mort. Enfin quand je suis à moitié mort. Pas besoin. Bah en fait j'ai vachement moins besoin. C'est à dire que là je suis plein avec ce que tu m'as donné. Ah mais moi aussi j'ai tout bouffé, je suis plein. Je sais pas, il y avait marqué que j'avais moins besoin plein, mais... Pof. Quoi? Pof. Quoi? Pof. Oui. Faire du feu. Oui, faire du feu, oui. Oui, le feu. Éteint, là. Je crois que je viens de te donner mes bûches, je me suis trompé. Tu peux les mettre dans le feu?
Attends, les mets pas tout de suite. Attends qu'on soit dans le truc bleu. Ah si, ouais. Et je vais couper du bois parce qu'on en a pas du tout assez en fait. Oh le mec quoi. Bah oui, mais j'ai tout bouffé pour le truc d'alchimie. Non mais par contre, t'éloignes pas trop quoi. Non, je ramassais juste... Ah là là, y'en a un là. Et coupe la bûche, trop du cul. Donne la bûche. Non, en fait, je ne peux pas parce que ma putain de truc s'est encore pété. Je la déteste. Gros site, d'accord, ouais, il faut de la manure. Alors putain, c'est qu'on a de la manure. Bah de la manure, je te dis, il y en a quand tu croises des animaux, des champs d'animaux. Il y en a, hein, j'en ai déjà vu quand j'avais joué tout seul il y a très longtemps, mais je ne sais pas où. Il y en a. Moi, je dirais en haut à gauche. Tu es allé tout en haut à gauche là du feu de camp? Ah mais c'est pareil, oui, on n'a pas le. Oui, c'est ouais, c'est en haut à gauche. Que, ouais, il nous faudrait vraiment une boussole en fait, c'est important. Bah tu vois en fait là où je suis. Bah, tu pars de là où je suis, tu vas vers l'alchimie engine et tu continues tout droit sur cette ligne droite. Et ben bah, c'est là que j'appelle en haut à gauche. Ah j'ai pas été. Ok, moi c'est tout à gauche pour moi ça. Bah moi non, j'y suis pas allé non plus et en fait ça pourrait être intéressant d'y aller. Parce que c'est un biome, tu sais, la couleur du truc et enfin, ça a l'air d'être un endroit qu'on connaît pas. Bah, ce que je fais, dès que la nuit est terminée, je pose des pièges là, mes deux pièges. Et toi, tu vas couper du bois, tu t'occupes du feu pour la prochaine nuit et je vais voir si là-bas il y a pas des trucs, ok? Ouais, si tu veux. Et tu vérifies les pièges, je les pose là. Tu vois, je pars par là et je les pose, ok? Ouais. Faut qu'on commence à être organisé là. Déchiré. Après, moi je vais arrêter le live dans pas longtemps. Mais l'avantage, c'est que d'après ce que j'ai cru comprendre, vu que t'avais coupé le serveur et que tu l'as relancé et tout, ça garde la partie. Ouais, apparemment, ouais. Bah, du coup, ce qui est chiant, c'est que par contre, tu peux pas jouer avec deux personnes en même temps, du coup. Enfin, avec. C'est tout le temps le même serveur, quoi. Non, non, t'as une dizaine de slots de serveurs en fait. Ah, ouais, je savais pas, c'est cool. Ouais, ouais, tu peux... Bon, du coup, moi, je m'occupe de couper du bois. Ouais, ok, moi, je vais voir là-bas, je place les pièges. Mais pour ça, il faut que je trouve quand même des saplings, parce que j'ai plus de haches. Donc, c'est casse-couille. Ah bah, j'en ai là. Suffit de le dire. Hop. Tu surveilleras les pièges? Bah, ils sont près du feu de camp. Ouais, y en a un qui est en dessous de l'alchimiste, et l'autre qui est sur la droite. Sur la même ligne. Regardez. Ouais. Merde, 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 merde. Ah, fait plus chier. Il y a Steph Core qui dit vous commencez à être organisé. Presque, t'as vu. Et attends qu'on trouve de la merde de taureau, mon gars. Pour des gens qui connaissent pas du tout le jeu, qui se sont pas renseignés, bon, moi j'y ai joué vaguement. Il y a quelques années, et j'ai déjà vu des gens y jouer de loin entre deux vidéos, quoi. Donc je sais que le but c'est de survivre, et je connais 2-3 trucs, genre il y a des animaux, il faut pas mourir la nuit. Wow, j'avais déjà vu des gens y jouer. Je me fais tentaculer là. On a un écolo dans le chat. Un professeur Porc qui dit vas-y, tue tous les arbres, tue tous les animaux, prends toutes les ressources. Ah, je me fais attaquer par les araignées. Enfuis-toi. Ouais, bah y'a pas l'air d'avoir trop de caca de taureau par ici, je vais partir. C'est plutôt un sale marécage en fait ton truc. Hein. Ah, bon bah alors on se souviendra que ça ressemble à ça. C'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à un marécage, je trouve. Ça ressemble plus à une plaine. Mais attends, alors je suis peut-être parti du mauvais côté. Non, je pense pas. Moi, c'est marron, quoi, un peu. Ouais, c'est marron, oui, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un marécage. Ouais, c'est un marécage, en fait.
les taureaux de Mario. Oh d'accord, alors fais gaffe parce que de temps en temps il y a des espèces de mottes d'herbe chelou. Et en fait quand tu passes à côté, elle s'ouvre en entier et c'est une bouche qui veut te bouffer. Et là, il y a des mecs et une statue chelou. Et je pense qu'il est... Oui, et le mec veut m'attaquer, donc du coup en fait je vais pas m'approcher. Et il y a un raton laveur aussi. Tu sais qu'il y avait un lapin dans un piège là. J'ai récupéré du coup, mais... Bah ouais, mais comme je suis parti quand même relativement loin pour couper tous les arbres parce qu'on en a plus parce que t'as mis le feu à la forêt. Non. Un peu. Cherche. Bonjour, je cherche du caca de vache. Tiens, je te prends une carotte. Ouais, les carottes, ouais, toutes celles que tu trouves, prends-les. Ah, mais en fait, tu peux rester appuyé sur l'espace, c'est génial l'espace en fait. Bah ouais, ça fait tout ce qu'il y a autour. En fait, il faut rester appuyé sur l'espace tout le temps, quoi. Tu restes appuyé sur espace et tu te déplaces un peu. Ah mais j'ai plus de hache, ça y est. Je m'en refais une. Là j'ai un arbre qui vient de changer de forme, c'est bizarre. Ouais, moi j'ai des fois il y en a qui bougent, genre il y a quelque chose dedans. Du coup j'hésite à aller le couper. Parce que je me dis que peut-être il va me manger. Ouais, défonce-le. Bah écoute, je suis arrivé au sud de la... enfin... Bah non, c'est un arbre normal. Bah en fait. De la map là. Du coup, je suis bloqué par la mer. Ah ouais, il y a les tops. Ils font pas du caca les tops. Là, j'ai un truc chelou qui dort. Ah, bah je me suis approché, il a voulu m'attaquer. Donc du coup, non, je me barre. À chaque fois, je dis qu'il veut m'attaquer, mais en fait, juste il se lève et il me regarde. Hein. Mais moi, ça me suffit à me faire peur. Ouais, c'est effrayant. Bon, je commence à remonter vers le camp là parce que. Je suis passé très près de lui là et il a fait un bruit chelou donc je me demande s'il va pas vouloir me poursuivre et me tuer. Je suis en train de revenir vers le camp moi aussi. Yes. En fait, je me demande si la fois où j'avais vu des vaches dans ce jeu, c'était pas à l'endroit où il y a du foin, justement. Hey, hey. Ah, mais attends! Est-ce que c'est pas nous qui devons construire une ferme ou un truc à vaches? Ah, ouais, mais les vaches, elles vont pas arriver d'un coup, comme ça. Il y a marqué... Moi, il y avait marqué l'eau, fuel, je sais pas quoi. Donc, je pense qu'en fait, il faut que je mange, mais... Ah, je me suis fait un sac à dos. Du coup, j'ai plus de... Félicitations. Ils étaient où tes pièges, du coup? Tu les as tous récupérés? Ouais, j'ai tout récupéré, ouais. Du coup, on a eu qu'un seul lapin, par contre. Crain du cul, ça. On a d'autres trucs à manger, ou... J'ai ça, si tu veux. Tu veux que je te donne la carotte ou je la mange? Vaut mieux que je te la donne, non? Mange-la. Pas mal, les carottes. Voilà, donc science, c'est où le chimie? Voilà. Pff, y a pas un truc là, magic là, y a pas un truc qui fait apparaître des. Qui fait apparaître des animaux. Ouais, qui fait apparaître des vaches. Genre structure, tu vois. Alors j'ai un truc luxury axe, et je peux me faire une hache avec de l'or. Mais je sais pas si elle va durer plus longtemps ou si c'est juste. Ouais, tu vois, on peut faire des barrières en bois déjà. Ça sert quelque chose. Des murs en bois, des murs en pierre. Ah, mais en fait, on peut... Steph Core m'a dit que les champignons sont peut-être comestibles et que je passe à côté sans les récupérer. Disons que, comme la dernière fois, toi t'avais chopé un truc bizarre, je pensais qu'ils étaient tous tiens, mauvais. Regarde, on peut faire Big House. Ah, il n'y a pas Rabbit Hutch. Ouais, mais. Ouais, mais il faut peut-être que tu les attrapes ça, avant. Enfin, tu vois, genre les rabbits ils existent dans la nature, et toi tu vas juste en récupérer un et le mettre dans une cage. C'est pour ça que tu as le choix de le tuer ou pas de le tuer. Et ça sert à quoi de le mettre en cage? Il se reproduit tout seul. Bah non, mais du coup t'en mets deux en cage. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup... on va pas pouvoir faire apparaître des vaches, il faut qu'on les trouve, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu crois?
Oui. Je pense qu'on ne peut pas invoquer des vaches. Je suis assez déçu quand même au niveau de... Ah, y a cadeau là, y a cadeau. Ah, moi je l'ai pas eu. Ah, j'ai eu une vache. Pas du tout, t'as une rose Pike. Il me le montre donc. Merde. Est-ce que si tu pars au nord alors du coup, attends, est-ce que au nord j'ai déjà inspecté? Ah, je vais partir là-bas. Ah oui, d'accord, en fait c'est vraiment un marécage quand il va vers le truc violet marron. Ah ouais, pourri, il y a les araignées qui attaquent, il y a les trucs. C'est les enfers. Alors fais gaffe quand tu pars au nord là parce que j'y suis parti. Et en fait c'est relativement la merde, il y a plein de gens chelous qui te regardent de haut. C'est-à-dire que quand tu t'approches, ils se mettent en l'air et ils te regardent de haut. Et au début ils font 30 cm, après ils font 1,80 m. D'accord. Il y a plein de tops aussi. Ah ouais, il y a des geckos là, tu les as vus les geckos? J'ai vu des trucs chelous, oui. Mini glacier. Est-ce que t'as vu qu'au milieu du marécage, il y avait un truc chelou? Genre. Un truc magique avec des têtes de cochon sur des Ouais, pics. c'est la musique du cochon là, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça, attends, House Pig. Putain. Ah, je peux jump in wormhole. Ah non, faut pas ça. Il a dit pof. Ah ouais, ok. Ouais, t'as vu, c'était bizarre, hein? D'accord. J'ai été con, j'ai été récupérer des ronces et du coup je me suis fait mal. Ah ouais, j'ai fait la même. D'accord, effectivement, dans ton marais, il y a des trucs qui attaquent, oui. Et il y a vraiment rien d'intéressant. J'aurais pas dû y aller, je suis débile. Il y a notamment des lianes avec des pics. Putain, et je commence à avoir la tête qui tourne là. Un peu comme Liane Folie, mais en moins bien. Exactement. Moi, mon personnage, il fait des trucs chelous, il danse à moitié quand il court. Et en fait, je suis dans le... j'arrive pas à sortir du marécage. Il y a trop de marécages autour de moi. Ah, merde! Je suis entouré d'eau. J'arrive. Moi, je suis parti loin, loin, loin. Bah, t'as le J'ai temps l'impression encore. Hein. que on a découvert tous les types de terrains en fait. Hein. Sans vouloir me vanter au niveau du vantage. Alors, apparemment, pour invoquer une vache, on nous dit dans le chat qu'il faut 5 lingots d'or, 12 peaux de lapin. 3 pierres runiques rouges, 2 rubis bleus et 30 kilos de naïveté. D'accord, ok. Mais je pense qu'il se fout de notre gueule, je suis pas sûr. Je sais pas, j'ai comme un doute, ouais. C'est les rubis rouges qui m'ont mis sur la piste. Bah, y a pas de rubis rouge, on est d'accord, y a que de l'or. Non, mais c'était le... surtout la naïveté, quoi. Eh, en fait, les espèces d'iguanes là qu'il y a, les geckos de je sais pas quoi là. Tu peux les Quand chasser? tu leur fais peur, ils te lâchent des trucs. Donc je suis. Ah bah, de l'herbe en fait. Ah ouais! Faut m'expliquer pourquoi j'ai des problèmes de santé mentale en tant que robot, mais. Ouais, mais moi aussi j'ai des problèmes de santé mentale, j'ai la tête qui commence à tourner. J'ai encore perdu. Mais il y a des arbres qui se barrent! Il y a un arbre avec des pieds là! Et y'a un truc qui m'attaque, un radis. Mais y'a des radis qui m'attaquent, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette forêt? Eh hey, mais attends, dans un trou de verre, si on saute dans un trou de verre là, tu sais la bouche. Et y'a un arbre qui m'attaque. Mais je suis dans une forêt normale là, je suis plus dans le marais. Hein. J'ai fait une connerie je crois. Qu'est-ce que t'as fait? Putain, j'ai sauté dans un trou de verre, ça m'a téléporté Là où il fallait pas.
En fait, c'est la bouche que tu disais tout à l'heure là. Ouais. Bah, tu te mets dessus, tu cliques et ça te téléporte à un autre endroit de la map. Est-ce que je le fais? Exactement comme un trouveur. Bah non, parce que du coup, on sera paumé. Bah, mais t'es déjà paumé donc. Non, c'est bon, tu peux. En fait, si tu recliques sur le tarif, tu reviens au point de départ. C'est vachement bien à faire. Bon, en fait, faut que je rentre parce que j'ai plus de place dans mon sac à dos que j'ai pas. Parce que j'ai pas de sac à dos, justement. Putain, moi j'en ai un. Je peux peut-être t'en faire un en fait. Ah ouais, j'ai l'oiseau qui me casse les couilles là. On nous parle de déforestation dans le chat. Et je confirme qu'on a quasiment plus d'arbres dans le coin. Mais... Ah ouais, mais moi j'en ai plein des arbres là, mais j'ai pas de hache. Ah mais alors là j'ai plus rien en fait. Attends, j'ai plus de place du tout, dès que je ramasse un truc ça me dit merde. Attends, je vais peut-être pouvoir te faire un sac à dos là. Coucou, bonjour. Ah mais t'es là? Survival, où c'est que j'ai pu faire un sac à dos? Tiens, je te donne un truc, parce que j'ai plus de place. I only got two hands. Ah mais le sac à dos il te donne pas masse de trucs en plus hein. Tiens, je t'en ai jeté un sac à dos. Ouais, t'en as un autre au sol, c'est le tien, je pense. Ou alors t'en as fait deux. J'en ai fait deux en fait. Bon, sur ce on passe le jour et puis on va arrêter le live parce que j'ai pas mangé en fait. Et Pauline vient de rentrer donc... Eh bien ouais, alors attends... Les Zeltes, ça vous parle? En fait, j'ai l'impression que quand tu déforestes trop, les arbres se rebellent. Enfin, d'après les indices que nous donne Steph Core, tout en temps, nous disant pas exactement ce que c'est. Il nous spoile pas, mais il réussit à nous donner des indices. D'accord. Ah, par contre, j'ai encore la santé mentale qui est complètement... Ah, et puis moi, en fait, j'ai pas du tout mangé comme un connard, quoi. Attends. Je suis en train de mourir en fait comme un débile. C'est bon, je mange. Je suis vraiment débile. Les pétales ça fait que dalle par contre. T'as pas des trucs à manger parce que j'en ai plus en fait. Il me reste ça. Merci. On laisse passer la nuit et on arrête, c'est ça? Ouais. Alors on nous dit dans le chat que quand tu déforestes trop, il se passe des... Enfin en fait ça fait avancer le jeu, la déforestation. Parce que plus tu détruis ton environnement autour de toi, plus ça fait avancer le jeu. Et que quand t'as fait avancer assez le jeu, et ben en fait il se passe il y a un event, enfin il y a des trucs qui se déclenchent. Et Professeur Porn nous dit c'est là que j'ai arrêté le jeu. Bon. Genre il a dit... J'ai pas compris sa phrase probablement. Il a dit en gros il y a un truc pas cool qui arrive. Ok. Bah du coup je déconnecte là. Normalement ça te va te jeter. Oui. Ah nickel. Bah donc en fait ça sauvegarde le statut du serveur là je suppose. Bah je pense. Mais putain, mais tout seul tu dois galérer, c'est pas possible. Bah, en fait. C'est pour ça que moi je l'ai acheté, et je sais pas si je l'ai acheté ou s'il y avait pas un truc genre tu pouvais jouer 20 minutes gratuite ou une connerie comme ça. Et en fait, j'ai très très vite abandonné. Parce que c'était. Enfin, je faisais que mourir quoi. Bah, ouais, ça doit être. Je passais mon temps à crever dans ce jeu, et donc du coup, c'était pas amusant. C'est pas attends, j'avais un coffre à ouvrir moi. Un coffre? C'est une loot box? Ouais. On sait rien, c'est juste des icônes pour le profil en fait. Et du coup, Don't Starve, est-ce que je l'ai? Bah non, je l'ai pas, bah je sais pas quand est-ce que j'ai pu jouer. Je sais pas. Bon, bah c'était cool.
Ah, ouais, dans, sympa, dans Starve, il y avait une version navigateur, en fait, au début. Une version sur Chrome. D'accord. Bah c'était cool, du coup faudra qu'on continue. Au fur et à mesure, quoi, mais putain c'est un coup, il passait des... Bah à la limite, si tu réussis à convaincre ton frère, à la limite on peut jouer tous sur le même serveur. Hein. Je sais pas, enfin... Ouais, ouais, bah alors en fait, j'ai réussi à convaincre mon frère. Et je lui dis bah vas-y, rejoins-nous, machin. Et sauf que il vient d'installer Steam, il vient de créer un compte Steam. Et ça lui dit qu'il faut qu'il ait dépensé au moins 5$ pour pouvoir avoir des amis. Sérieux? Ouais, ils ont mis ça en place maintenant pour éviter que... Que tu fasses des comptes à la con et que tu spammes les gens. Voilà, je suppose que c'est ça. Quelle bande de connards. C'est la merde. Bah écoute, on verra plus tard. Ouais, ouais, bah je vais acheter deux jeux à la con là. Et... De toute façon, peut-être qu'il vaut mieux que vous jouiez sur un autre serveur, histoire qu'ils prennent les bases que nous on a pris ce soir. Ouais, j'avoue. Ouais. Pour éviter de niquer la partie et qu'en fait il se retrouve mort et qu'on puisse pas ressusciter personne parce qu'on est trop mauvais. Ça, bon, en même temps, on a pas trop de base encore, mais. Ça peut se faire. Steph Core dit j'ai passé une année complète, ce fut épique, et mais il jouait à deux. Et Professeur Power nous dit à chaque arbre que tu coupes, t'as genre 1%. 1% du temps de partie de chance que ça merde. Je comprends pas trop le calcul mathématique. Mais apparemment, quand tu coupes des arbres, c'est la merde. D'accord, mais on est obligé d'en couper de toute façon, donc... Bah ouais, mais je pense qu'en fait, il y a moyen au fur et à mesure de faire des trucs qui te permettent de faire des feux de camp qui s'alimentent moins avec de... Je sais pas. J'en sais rien. J'ai vu un truc une fois le temps de ta partie. 1% de fois le temps de ta partie. C'est-à-dire qu'en gros, si ta partie a fait 10 minutes, t'as 1% de 10 minutes. Mais de quoi? Je comprends pas, là. De chance que ton truc merde. Genre, je comprends pas non plus son truc, parce qu'il manque une variable, je pense, dans le calcul. Bah ouais, parce que 1% de chance de 10 minutes, ça veut rien dire. Bah oui, moi non plus, je comprends pas. Oui, donc on faudra voir. Attends, je cherche. Tri, cut, cutting, tri guard. Ah non, mais vas-y, ne spoil pas. Mais je veux juste voir le truc. Ça. Je tape manure don't start. Ok, j'accepte. Ah ouais, donc il y a bien des buffalo. Ouais, je comprends pas trop la formule, mais en gros, effectivement, plus tu coupes d'arbres, plus il y a des chances qu'il y ait des arbres vivants qui spawnent. Plus tu coupes des arbres, plus il y a des chances de quoi? Qu'il y a des chances qu'il y ait un arbre vivant qui spawne. Ah d'accord, ok. Parce qu'en gros, le truc c'est que si c'est le temps de ta partie, donc en gros il y a 1% de chance de base, et si jamais ça fait 2 jours, il y a 1 x 2% de chance, et ce genre de truc quoi. D'accord, ok. Ça doit être un truc du style, mais en mieux expliqué. Il faut éviter au fil du temps de couper de plus en plus d'arbres. Ouais, mais c'est bien, faudra qu'on découvre un peu comment... Et plus longtemps tu survis, plus tu utilises de ressources, plus l'enfer s'abat sur toi. Ça a l'air cool, hein, comme... Une bonne ambiance. Ça va. Et encore, en plus, on l'a mis en niveau... Niveau facile, coopératif. Ouais, ouais, donc à mon avis, il y a moyen de prendre bien cher. Ah, bon, on verra la prochaine fois. Ça va être bien cool. Ouais. Bon, bah, du coup, je te laisse aller bouffer, alors. Eh ben, pas également, parce que tu vas pas manger, mais bonne soirée à toi, et... Et merci pour cette partie. Ouais, bah ouais, c'était cool, faudra qu'on se contente de ça. Ouais. Qu'on aille fraguer sur le UBG aussi. Ouais. Tant de choses à faire. Bon, allez, à la prochaine alors, du coup. Ouais. Bah oui, à la prochaine, enfin, on se tient au courant de quand. Genre, je lisais le chat, on nous disait qu'on pouvait planter des graines pour apaiser les arbres et faire redescendre la pression, quoi, en gros. Eh ouais, mais c'est ce qu'on voulait faire, mais on avait pas de putain de manure là, de pousse de vache. Non, mais pour planter des arbres, peut-être qu'on en a pas besoin, je sais pas. Faudra voir.
Je pense qu'on va devoir finir par se renseigner, on peut pas tout découvrir au pif dans le jeu. Donc... Ouais, j'avoue. Waouh, ou alors après c'est un défi quoi. Ouais. Genre dans 8 ans on aura tout compris. Les mecs hardcore, tu sais. Mais si on, dans 8 ans, si on joue que à ça constamment, tous les jours. C'est ça, parce que vu qu'on les teubés, le temps qu'on a mis à comprendre les pièges et tout, laisse tomber. Bon, allez. Allez, bah, tchou, à bientôt. Soirée. Et au revoir, les gens. Ciao. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve pour un prochain live bientôt, je ne sais pas quand. Probablement dans quelques jours. Bonne soirée et merci pour tous vos conseils sur le chat. J'ai faim.